chair des choses. Je possède en mes doigts subtils le sens du monde, car le toucher pénètre ainsi que fait la voix. L'harmonie, le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts. Je comprends mieux en les frôlant les choses belles. Je partage leur vie intense en les touchant. C'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles, de nobles, de très doués, de pareils aux champs. Car mes doigts ont connu la chair des poteries, la chair lisse du marbre au féminin contour, que la main qui laissait modeler a meurtri, et celle de la perle et celle du velours. Ils ont connu la vie intime des fourrures, toison chaude et superbe où l'on plonge les mains, et l'odorant secret des belles chevelures, où la brise du soir effeuilla des jasmins. Semblables à ceux-là qui viennent des voyages, mes doigts ont parcouru d'infinis horizons. Ils ont éclairé, mieux que mes yeux, des visages, et m'ont prophétisé d'obscures trahisons. Ils ont connu la peau subtile de la femme, et ses frissons cruels et ses parfums sournois. Chair des choses, j'ai cru parfois étreindre une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts.